Ce résumé vous est proposé par Heineken et Gazprom, sponsor de l'UEFA Champions League. Herrera, ça peut ouvrir la bague. Di Maria, ah, bien essayé. Ouais, comme souvent, hein, son enroulé, on le connaît. Et inévitablement, c'est l'appel de Florenzi qui lui a permis d'avoir complètement le couloir et le temps d'ajuster. Ah, c'est bon. Par contre, c'est beau, magnifique. Ça. Ah, ouh, quel arrêt. C'était superbe. C'est encore Kurzawa qui était là. Ah oui, il est partout dans ce premier quart d'heure, offensivement, tous les cas, et même à la finition. S'il y a McTominay, oui. Peut y aller McTominay, il va y aller. Et c'est ouh, bien joué. C'est bien tenté encore une fois. Ah, ils viennent dans le jeu un petit peu, ils osent. C'est Diallo là qui a mis la patte, mais le pied. Et là, il va chercher quoi penalty. Le penalty. Il va le chercher, le penalty, et il le trouve. C'est Martial, hein. Revoyons. Ah oui. Absolument. Ben oui. Fernandez et Navas. Qu'est-ce qu'il nous fait là, Fernandez? Alors là, c'est pas le carnaval de Binch, hein, là. Qu'est-ce que c'est pour un coup de pénalty, ça? Ouais, ben voilà, exactement, c'est ce qui se passe. Oui. Il le fait recommencer. Mais si, c'est comme les tirages de maillot dans les surfaces de réparation. Si à chaque fois on donne un pénalty, c'est très bien, plus personne ne tirera. J'ai le sentiment qu'on a amené un nouveau combat dans l'arbitrage. Fernandez, comment on se retrouve? Tiens. Ah si, quand même. Il refait encore. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ce mec en a dans le short, moi je vous le dis. Parce que franchement, et là, c'est compliqué pour un gardien. Quand on vient d'arrêter une balle qu'on pense qu'on va être au top, franchement... Oui, et là il le prend complètement à contre-pied. Marc, je vous parlais des stats à Bruno Fernandez, c'est 18 matchs. C'est 11 buts et 8 assists. Télès, quelques bons petits centres malgré tout. Ouais, ils souffrent défensivement, les Parisiens. Oh, elle est belle, magnifique. Quelle frappe lourde, très lourde de Bruno Fernandez. Quel arrêt. Kurzawa. À mon avis, il va encore y avoir des buts dans ce match. Allez, il en a perdu deux. Voilà Mbappé. Oh joli, oh oui, bien fait, derrière dans un bon soir. Ah oui, super, bah vraiment en percussion comme cela. Allez, bien joué, superbe. On peut l'avoir là, oui. Ah, ouf, oh, ça prend là-bas. Pas de bol. Non, il était parti avec un effet qui, à mon avis, pouvait lui permettre de rentrer. Oui. Hein. Neymar. C'est goal. Je ne sais pas si c'est Kurzawa. J'ai pas l'impression. C'est Martial. Oui. Absolument. Un but de Martial avec ce ballon, la premier poteau. Comment ça s'est passé, ça? En fait, il est très puissant au premier poteau donné par Neymar. Et il y a un duel. Et... Oui, c'est Martial. Oh, ouais. Il met sa tête à l'envers, là. Oui. Alors qu'ici, Rashford. Ouh. Belle balle, ça. Encore une fois, un arrêt. Hein. Navas, c'est quand même... Quand on a un gardien comme cela, c'est clair que ça gagne des points aussi. On se dit que s'il y a une équipe qui mérite de prendre les 3 points, c'est peut-être... C'est peut-être... Oh non, ça passe pas maintenant, oui. Pouah, Navas. On gaspille. Hein. Ouais, et on gaspille, là, pour l'instant. Fred avec Pogba.
Rashford, il passe. Bien joué. Oh, c'est but. Oh, bien joué. Mais franchement, c'est ce qu'on vient de dire. C'est pas du tout anormal de voir Manchester passer devant. Et franchement, Rashford, c'est un king. Oui, parce qu'il est monté en puissance, hein, Marc, dans cette deuxième période. Première période, il avait été un petit peu, je dirais, invisible. Mais là, ce terrain lui réussit, surtout dans les dernières minutes. Ce résumé vous a été proposé par Heineken et Gazprom, sponsor de l'UEFA Champions League.